Le financement durable s'impose de plus en plus. On en parle tout de suite avec euh, Guénolé Keo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur des marchés institutionnels Grand Ouest chez euh, Arkea Banque, entreprise et, et institutionnelle. À vos côtés, Xavier Leroy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur du pôle acteurs financier chez Eti Finance. Vous avez euh, accompagné Arkea dans l'évolution de, de la politique euh, ESG. Peut-être une question générale, euh, Guénolé Keo. Je disais financement durable qui s'impose de, de, de plus en plus. Vous le ressentez-vous C'est pas alors on le voit, on le voit, il y a des campagnes de publicité de toutes les banques, mais ça va au-delà de ça. Oui, oui, ça va au-delà de ça et au-delà des campagnes de publicité. Enfin, pour nous, ce qui est important, c'est l'adhésion le... de nos clients parce que notre démarche elle est tournée vers les clients mm -hmm. et on voit aujourd'hui qu'il y a une dynamique importante sur cette thématique-là et une demande de nos clients de se faire. Entre guillemets, évaluer, de moins que la banque prenne en compte les engagements extra-financiers des clients. Hum. Euh, c'est la filiale dédiée aux PME et aux ETI de, du, du groupe Crédit Mutuel Arkea. Donc, quand fait. vous dites les clients, ce sont les chefs d'entreprise qui ont Tout cette à démarche. Fait. Hein. Les PME, les ETI, oui. les institutionnels au sens large, hein, des collectivités, des acteurs de la santé publique, du logement social et mm -hmm. aussi des acteurs de l'immobilier privé. Mais comment, à... comment, comment vous faites le tri Parce que c'est une question centrale, reconnaître les vrais projets impact. Et vous allez nous expliquer comment vous, y, vous les y aidez. Mais comment vous faites le tri Quelque part, il n'y a pas de tri. Parce qu'on Initialement, on s'intéressait au projet. On avait déjà, ça fait 5-6 ans, on s'intéressait au projet. Et là, oui. après, on s'est dit, il faut qu'on s'intéresse à la stratégie RSE de l'entreprise. Oui, c'est la démarche qui est importante. La démarche, voilà, oui. tout à fait. Et quelque part, dans le plan stratégique, la raison d'être du groupe Arca, c'est d'accompagner les clients dans leur transition, peu importe leur point de départ. Donc, quelqu'un qui n'a pas ils font tous quelque part un bout de RSE. Mmh. Chose à nous de les aider à formaliser les choses. Donc on prend les gens, peu importe leur point de départ. Pour les plus avancés, on va valoriser financièrement. Pour les autres, on va inciter financièrement et on va structurer leur démarche pour qu'ils s'engagent et qu'ils qu aillent plus loin dans leur mmh. démarche RSE. Pour bien comprendre, Xavier Leroy, votre rôle, c'est quoi ETI Finance Antifinance est une agence d'évaluation ESG ou extra-financière oui. et un cabinet de conseil. Donc, euh, Nous avons lié nos deux compétences pour, euh, pour accompagner Arkea dans son projet de crédit à Impact. Et euh, Nous avons une spécificité, euh, enfin on en a deux d'ailleurs. La première c'est que nous sommes français et nous oui. sommes la dernière agence française, il faut le préciser. Oui. Et La deuxième spécificité c'est que nous euh, sommes spécialisés dans l'évaluation des ETI PME oui. qui généralement sont laissés de côté par les grandes agences parce que ce n'est pas commode parce que le marché est moins profond, mmh. et puis parce qu'il faut des processus, des méthodologies qui soient adaptées aux petites entreprises. Si on prend le même microscope d'analyse pour analyser Total ou L'Oréal et pour analyser une entreprise de 50 ou de 100 personnes, on va trouver la performance complètement nulle. Donc il faut adapter nos processus et l'évaluation à cette dimension. Mmh. Donc KETI Finance accompagne dans ce projet euh, euh, Arkea BEI à la fois sur la partie de conception de conseil et aussi dans l'opération, c'est-à-dire dans l'évaluation de ses clients pour la mise en œuvre de la solution. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, avez, on va parler de, de, de pacte, hein, c'est le nom mmh. de ce, 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 ce crédit innovant, ce système de prêt innovant, mais dans votre démarche, vous évaluez aussi la banque elle-même. C'est ça, hein, absolument. avez par évaluer la banque. La, la demande a été faite euh, d'évaluer sur le même référencé c'est-à-dire selon les mêmes critères, ABEI mmh. euh, à, à et puis euh, quelques autres structures de l'ensemble, mmh. pour se confronter chaque année euh, à cette évaluation, euh, à l'instar de ce qui est fait pour les clients. Donc c'est vrai que c'était une démarche qui a été complète. Et d'ailleurs, derrière cette évaluation, il y a un, un certain nombre d'engagements qui sont pris euh, par la banque et, et ses dirigeants. 87 sur 100, euh, 8,7 sur 10. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais content. C'est une, une très longue, bonne, une bonne note. C'est une très bonne performance. Ouais. Alors ce n'est pas parce que c'est notre client, mais parce qu'effectivement, ArcLaveI ouais. a mis en place un certain nombre de démarches euh, qui sont effectivement euh, très importantes. Mm. Et pour venir sur votre question sur l'impact, le premier impact, c'est bien ça, c'est la performance, l'amélioration de la performance. Mm le fait aussi de pouvoir la, la financer au travers de ce dispositif. Alors, quoi, en quoi est-il innovant, ce, ce pacte, ce prêt à impact Innovant parce qu'en fait, c'est une démarche globale. Il est innovant d'abord par le caractère universel finalement, qu'on s'adresse. Mmh. C'était un marché qu'on avait observé, nous, en, à partir de 2017, on avait partagé le constat avec Eti Finance. c'était un marché qui était très élitiste, ce qui était accessible à partir de 100 millions d'euros d'emprunt. Donc ça ne mmh. concerne pas le commun des mortels du mmh. tissu économique français. Nous, on s'est dit, notre raison d'être, Arca, on est une ETI de la banque, c'est de démocratiser tout ça. Donc il est innovant par ce biais-là, il est accessible à partir de 3 millions d'euros. Mmh. Donc on a, et là où il est intéressant, c'est qu'en fait, son taux d'intérêt évolue en fonction de la performance donc extra-financière de notre client. Et pour ça, on a travaillé avec Etifian sur un deuxième volet, qui est la production d'un rapport de performance. Donc on détaille les points forts, les points faibles de l'entreprise, ses axes de progrès, et surtout on lui donne des éléments de benchmark. Donc, à intervalles réguliers au cours de la vie du prêt, on va venir lui mettre une note quelque part euh, et on va lui dire des éléments de benchmark. Voilà comment le panel d'entreprises comparables se positionne par rapport à vous. Et, et, et le niveau de variation du, euh, du, du taux, c'est quoi en fonction des bons résultats Ça peut aller jusqu'à combien Combien Alors, de frais financiers en moins, en fait Voilà, c'est tout à fait ça. On a, on a fait le choix de mettre un, un curseur sur une économie potentielle maximale de charges d'intérêt pour nos clients de 20%. Sur les frais financiers. Donc, mmh. c'est un engagement massif de la part de la banque pour inciter ses clients à s'engager dans cette démarche de progrès et voir leurs notes progresser d'année en année. Mmh. Euh, ça, ça suppose, Xavier Leroy, une, une démarche aussi de transparence de la part des, euh, des clients euh, d'Arkea qui, qui, qui souscrivent ce prêt. Parce que pour atteindre les 20%, il faut jouer le jeu. C'est la contrepartie. D'abord, euh, généralement, dans un emprunt, il y a une transparence financière. Oui. Dans le cadre présent, il y a la transparence extra-financière. Euh, me semble-t-il, deux objectifs pour, pour pouvoir avoir cette, cette, cette transparence. Ben là, le gain financier, hein, si on, on a des bons résultats et ouais. qu'on progresse, on a l'obtention de ces bonus qu'évoquait Guénolé à l'instant. Et le deuxième élément, il y a un retour sur l'évaluation, puisqu'on a l'entreprise obtient un comparatif, un rapport, des recommandations dont elle peut se servir. Pour améliorer sa performance, le cas échéant, pour communiquer auprès de ses parties prenantes, mmh. les premières sont bien entendu les salariés. Et donc c'est un, j'ai réussi du win-win hein, pour employer un, un terme un peu, un peu galvaudé. Alors cette transparence, euh, elle n'est pas automatique parce qu'il n'y a pas des documents publiés, il n'y a pas une formalisation. On a affaire à des entreprises qui publient peu. Ça n'a rien à voir avec une entreprise cotée, avec une grande entreprise cotée. Mmh. Et donc c'est là où j'évoquais des méthodologies, des processus particuliers. Eh bien, Etifinance rentre au contact de l'entreprise pour lui dire. Envoyez-nous ce que vous avez pu produire, et puis ensuite, on envoie des questionnaires. On a une interaction avec les dirigeants mmh. pour pouvoir remplir ces référentiels d'indicateurs sur les différents piliers. Avec une évaluation qui est, qui est quoi Régulière, annuelle C'est quoi le principe L'objectif est bien d'avoir une, une évaluation annuelle, d'abord oui. parce que ça permet de mettre en place ce dispositif du prêt, puis surtout, oui. ça permet de mesurer les progrès. Que l'entreprise euh, peut faire euh, d'une année sur l'autre en mmh. fonction des recommandations qui ont pu être délivrées. Oui. Euh, Guénolé vous l'avez lancé en février 2020, euh, ce, ce prêt-pacte. Euh, euh, qui en a déjà bénéficié Quelques exemples comme ça pour, pour comprendre ce qui se passe Alors aujourd'hui, on a 80 euh, entrepreneurs enfin, ou entreprises, puisqu'on inclut aussi les institutionnels qui en ont bénéficié. Donc c'est un volume de plus de 400 millions d'euros qui ont été ouais. accordés à, à nos clients là-dessus. Donc parmi les entreprises, on va retrouver notamment des, des personnes avec qui on a communiqué. Je pense au groupe Biocop, qui était une référence importante là-dessus, ouais. très engagée dans la démarche. Je pense au groupe Charrier dans les travaux publics euh, au groupe SETI dans la menuiserie industrielle. Au groupe Boineau bueno aussi dans les spiritueux, donc mmh. on touche assez largement. Sur le volet immobilier, on a le groupe Duval aussi, qui est un acteur bien, bien établi. On attire aussi un certain nombre d'institutionnels, des collectivités, ça c'est un marqueur important, et les bailleurs sociaux, donc des métropoles comme Nantes, Bordeaux, Toulouse, qui font ces choix-là. Des bailleurs sociaux comme Paris Habitat, euh, Néotoa aussi, qui est le, ba le bailleur social d'Ille-et-Vilaine, mmh. le grand port maritime de Bordeaux. Donc on voit qu'on. C'était un de nos objectifs aussi quand on parlait de démocratiser, c'était de toucher large. Que ça impacte dans les territoires. Et je pense que de ce point de vue-là, on a réussi. Ce premier objectif-là, en fait. mmh. euh, donc février 2020, ça veut dire qu'il y a déjà eu euh, une première évaluation pour les pour les tout premiers euh, prêts. Euh, avec, on, on est où par rapport à l'objectif euh, au plafond là de 20% de frais financiers euh, euh, en, en moins Il y en a qui l'atteignent déjà, euh, qui sont sur, qui sont. Ah, sur... Alors nous, on en a évalué, je crois une cinquantaine, parce que ouais. c'est dans les dans les processus. Mais alors, je sais pas, là, oui, les résultats sont plutôt globalement assez assez Ils Sont, bons. sont plutôt bons. Donc les 20%, les 20% pour ça font un engagement. Sur la, durée, Sur la durée, évidemment, on ne les atteint an. pas en un an. Quoi, on ne les atteint sûrement, pas en un an, il n'y euh, a pas que des faits d'aubaine non plus. <laughs> euh, à à aujourd'hui, on constate qu'on a à peu près 80% des clients qui sont engagés dans la démarche qui se positionnent au-dessus du benchmark, c'est-à-dire au-dessus du panel d'entreprises comparables. Hmm. Donc c'est plutôt des clients engagés initialement qui sont allés dans la démarche. On a un certain nombre de clients qui sont en dessous, mais ça ne fait rien qui, par le mécanisme incitatif et par... La structuration que l'on leur apporte avec le rapport vont avoir des axes de progrès clairement identifiés. Ce n'est pas un produit qui est dédié à des spécialistes de l'énergie renouvelable ou bien du recyclage. Ah oui. 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 C'est pour toutes les activités. On est sur une dimension d'impact de la performance générale. Nous, on pense chez T-Finance, par exemple, que la dimension sociale est un, est un élément, un pilier essentiel dans les entreprises. Tous les secteurs ne se prêtent pas à des dimensions environnementales objectives. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez généraliste. Et la première chose, quelque part, que l'on sanctionne, si vous me permettez l'expression dans l'évaluation, c'est la transparence. Le fait de. Produire de l'information, de communiquer. Même si elle n'est pas très bonne, même si le taux d'absentéisme n'est pas génial, le fait de le calculer, de le suivre dans une entreprise, mmh. c'est déjà un marqueur d'intérêt euh, pour ce sujet. La même chose sur les formations, etc. Donc on a clairement aussi un marqueur de transparence qui habitue les entreprises, euh, en amont d'ailleurs de réglementations qui vont se mettre en place sur ces mmh. publications. Est-ce que ce prêt-pacte permet de financer euh, des projets qui seraient peut-être exclus de, de modèles un peu plus euh, classiques mmh. Pas forcément. De toute façon, on a une politique des risques au niveau de la banque. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'interdit un certain nombre de choses, on n'ira pas financer le charbon, on n'ira pas financer autre chose. Il a vocation à être généraliste, à accompagner les besoins financiers de l'entreprise et à utiliser l'endettement au service de la stratégie RSE. Donc, vous avez le dire, on, on évalue quand même sur une quarantaine d'indicateurs. Donc, on a vraiment cherché au lieu de se concentrer sur un indicateur, mmh. deux indicateurs, à rayonner sur la vision 360 de la RSE qu'on défend beaucoup chez Arkea mmh. pour aller sur la gouvernance, le social l'environnemental et les relations en partie prenantes. Ouais. Et, et l'enjeu, on va terminer là-dessus, euh, Xavier Leroy, de, de l'évaluation des critères extra-financiers, bon, c'est clairement euh, un, un levier majeur de la transition écologique. Euh, c'est plus compliqué d'évaluer l'extra-financier par définition ou pas forcément Est-ce que c'est un cliché que, que j'utilise bah, C'est moins normalisé en tout cas voilà. que la partie financière, c'est une évidence. Euh, on entend d'ailleurs ici et là des gens qui disent oui mais les agences ne s'évaluent pas de la même façon, etc. Donc c'est une, une matière qui est en train de se construire. On est en train de passer d'une phase du volontarisme au réglementaire. Mmh. Avant les démarches étaient volontaires, aujourd'hui on voit bien que les, les choses se normalisent, notamment du fait de la réglementation européenne. Ce qu'il ne faut pas perdre en tout cas, ce sont deux choses. La première, c'est ne pas laisser de côté les petites entreprises. À partir du moment où on adapte encore une fois la mesure et ce que l'on recherche à ces entreprises. Mmh. Et la deuxième chose, ne pas se focaliser uniquement. C'est essentiel pas uniquement sur le climat et l'environnement, mmh. en perdant de vue ce qui fait le, le sel, nous semble-t-il, aussi du, de l'impact, qui est l'impact territorial, l'impact sur l'emploi, l'impact sur le développement, mmh. la féminisation euh, des, des instances dirigeantes, etc., des éléments qui sont essentiels pour le développement de notre économie. Mmh. Le S et le G de ESG, merci Absolument. beaucoup à tous les deux d'être venus présenter euh, ce prêt PACTE, une start-up à l'honneur tout de suite. Euh, on parle mode, mode responsable.